salue les Gulliver. Alors là, on est dans la plus grande fête foraine d'Europe. Et ouais, parce que je fais pas les choses à moitié, ok? Alors bon, le défi plongeon, je me suis dit que ça serait un peu trop facile parce que je suis quand même championne du monde du plongeon. À la place, je vais faire un plongeon, mais pas dans l'eau. Un plongeon un peu spécial. Venez, on va voir ça. Alors voilà, c'est ça le truc que je vais faire, ça s'appelle l'adrénaline, ça fait flipper, ça fait tout perdre dans mon ventre, mais en même temps c'est excitant. Regarde, on regarde, normalement moi aussi, je vais monter tout là-haut et je vais tomber. Venez, on vous attend pour jouer à l'adrénaline de 50 mètres de haut, 50 mètres de chute libre à 120 km à l'heure. Au début, il nous arnache, on est tous serrés comme ça et déjà on se dit, on fait pas trop la pierre. Hein. Ensuite, on monte comme ça jusqu'à 50 mètres de haut. Et là, déjà, ça fait peur. Parce qu'on a l'impression d'être au-dessus du vide et d'avoir aucun pouvoir sur la situation. Et arrivé en haut, on a un petit mousqueton. Dès qu'on sent la petite secousse, le gentil monsieur nous fait un signe de la main. Et là, on doit appuyer violemment sur le mousqueton. Que j'ai hurlé au niveau de 10 milliards de décibels. Mais c'était super cool. Franchement, je suis pas sûre de le refaire tout de suite. Mais par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est la tour là-bas. La tour qui fait peur et qui est à 80 mètres de haut.